la France a décidé en 2005 de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on doit faire pour aller à l'échelle du monde, et je dirais à l'identique des autres pays du monde, faire le nécessaire pour stabiliser le climat sur Terre. Donc il va falloir mettre tout ça en pratique. Or, le niveau de la pratique, c'est essentiellement le niveau territorial. C'est au niveau territorial que se décident les investissements qui ont la plus longue durée de vie, les bâtiments, les infrastructures de transport. Et puis en même temps, c'est sur le territoire que se localisent les activités. Or, c'est sur le plan des transports qu'on va avoir le plus de difficultés à réduire ces gaz à effet de serre. Les transports, c'est à 98% du pétrole, donc à chaque fois, ça émet du gaz carbonique. Et puis en plus, et c'est ça qui est le principal, les collectivités locales ont le contact avec le citoyen. Or, le citoyen, la famille, les familles émettent la moitié des gaz à effet de serre en France dans leur vie privée. Votre manière de vous chauffer, vos pratiques alimentaires, vos choix de transport, vos pratiques de consommation pèsent en gros la moitié des émissions du pays. Donc il faut qu'on aille chercher chaque personne. Donc à partir de ce moment-là, vous avez la nature d'un plan climat territorial qui est assez clairement défini.